Madame Sandon nous accueille dans sa maison, le petit château de Gonneville. On pense que c'était le fief de seigneur des servants de Gonneville, mais c'est une supposition. On sait que la partie la plus ancienne de notre église à Gonneville est de 1540 à peu près. Et on pense que c'est les seigneurs des servants de Gonneville qui ont posé cette église, ils l'ont construite, et ici c'est ancien. Il y a des, on est une des rares maisons à avoir une cave qui à l'époque ne devait pas être une cave, mais une salle de garde. Donc on pense que notre cave actuelle a été une salle de garde puisqu'on a trouvé des traces des vieilles portes et la cave est dallée avec des grosses, grosses pierres. Et la famille Roussy qui a acheté la maison en 1800 après la Révolution a agrandi, embelli et modernisé la maison. C'est-à-dire qu'ils ont rajouté à la maison d'ici, l'ancienne partie est derrière vous, et la partie qui est devant, qui sont les 6 mètres avec la façade directoire, a été rajoutée par la famille Roussy. Ensuite est arrivé un transporteur de camp qui a acheté la maison en pleine guerre avec les Allemands dedans et qui a dû, à mon avis, après avoir fait quelques travaux de restauration après la guerre, revendre à M. Pilot. Et ensuite c'est nous, en 1996. On a acheté la maison en fin 1996 et on a fait un certain nombre de travaux et on s'est installé ici en septembre 1997. C'était une maison qui était un peu endormie, dirions-nous. Il y avait très peu de choses faites après la mise hors d'eau après-guerre. Et nous, quand on est arrivé, on a tout refait. Nous avons pu garder les murs, la toiture et les fenêtres. Pour réveiller à nouveau la maison, Madame Sandon se lance dans une nouvelle activité. Je me suis associée avec un élevage de Shetland qui fait naître les poneys. Je les prends à 6 mois, 7 mois, 8 mois à peu près. Je les amène deux par deux à la maison. Tous les ans, j'en rentre deux. Et pendant 2 ou 3 ans, ils restent ici pour être élevés, éduqués. Et je les travaille à la main, je les travaille en longe, je les mets à l'attelage. Et comme ça, c'est des poneys qui sont bien, bien élevés, qui se tiennent bien et qui sont très sages avec les enfants parce qu'ils répondent à la voix.